18h-19h30, Bastien Carpentier et sa troupe s'improvisent à l'antenne. C'est dans Ça va brader, tous les samedis sur Radio VL. Je vais vous annoncer quelque chose, chers auditeurs. Vous souvenez tous que la dernière fois, il y avait eu Rémi qui avait appelé son patron, parce que Rémi travaille dans une grande enseigne de parfumerie. Donc c'est Sephora, mais il faut noter, il faut en citer trois. Donc on Décathlon, va dire aussi Nocibé et Marionneau. Je vais lancer Décathlon. Il travaille donc chez Sephora et on avait appelé son patron. Il lui avait raconté qu'il voulait aller au concert de Miley Cyrus. C'était n'importe quoi. Eh bien là, on va rappeler donc ce chef qui s'appelle Caïs, votre chef, et on va lui raconter n'importe quoi. Donc accrochez-vous bien, c'est parti, on va bien rigoler. La dernière fois, ça n'a pas marché. Ouais, du coup. Non, vous allez entendre la sonnerie là, parce que ça va sonner. Ah, ça sonne. Allez-y, Rémi, lâchez-vous. S'il répond pas. Ah, s'il répond pas, on est mal. Bah, on peut sur son répondeur. C'est Florent Semaine, Caïs, à votre écoute. Bonjour. Caïs, bonjour. Bonjour. Devinez qui c'est. Bah, qui c'est? C'est Rémi. Ah, vous allez bien, Rémi? Très bien, et vous? Ben ça va, ça va. Écoutez, après cette semaine de repos, tout va bien. Bah ouais, vous comptez revenir un jour? Alors, écoutez, c'est un peu compliqué. Oui, donc je suis pas venu de cette semaine parce que figurez-vous, Caïs, je vous appelle pour l'annoncer de manière officielle. Je suis un nouvel homme, Caïs. J'ai fait une grande rencontre, une rencontre qui a bouleversé ma vie. C'était le week-end dernier. J'ai rencontré un homme qui a changé ma vie. D'accord. D'ailleurs, il est avec moi et c'est lui qui a insisté pour que je vous appelle pour être franc du collier avec vous. Bonjour. Okay. Bonjour, Caïs. Voilà, bonjour. Il est là. C'est Svevo. Oui. Donc, Svevo, en réalité, est mon coach de vie personnel. Je m'appelle Svevo. Voilà, je l'ai rencontré et... Rémi, là, vous foutez de ma gueule, là, clairement. Non, pas du tout. Et d'ailleurs, qu'est-ce vraiment... Qu'est-ce qu'il dit? Attendez, là, vous n'êtes pas de la semaine et vous me dites, je ne viens pas parce que j'ai rencontré un coach de vie... Mais qui vous dit de quoi? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Est-ce que tu as parlé de la senteur de TP? Oui, mais écoutez, Caïs, je veux dire, cet homme a changé de vie. Rémi, non mais attendez, là je pense que là c'est pas possible. Déjà, la dernière fois que ça s'est passé, je pense avoir été assez correct malgré tout. J'ai loupé Miley Cyrus. Passez-le-moi. Allô, Caïs. Non, mais là, monsieur, allô, excusez-moi, bonjour, je parle avec Rémi. Rémi. Je veux juste que tu comprennes, Rémi, que le travail il est mauvais pour lui. Il a écoutez-moi bien. Mauvais sur son karma. Rémi, franchement, Rémi, là, j'en peux plus. Là. Rémi, vous m'énervez, Rémi. Il faut revenir au magasin tout de suite. Il vient de me passer le téléphone, vous disiez, j'ai pas entendu. J'ai dit, vous m'énervez, là, Rémi. Ah, non, justement, mon coach vous ferait du bien. Écoutez, Caïs, vous êtes tendu. J'étais tendu, Rémi, avant. Non, et maintenant, Rémi, j'ai changé. Je ne suis plus énervé. Ah, tiens, au revoir. Merci, Rémi, au revoir. Non, attendez, Caïs. Vous m'avez raccroché. Aïe. Ça finit comme ça. Non, je ne sais pas. Alors là, s'il ne vous vire pas... On n'a même pas eu le temps de poser un truc, quoi que ce soit. Et le mec a raccroché direct, quoi. Qu'est-ce que vous proposez, Kevin? On le rappelle? Oui, il faut aller jusqu'au bout, maintenant. Bah, allez, on le rappelle en régie. C'est vraiment ce que tu veux, Rémi. Je sais plus ce que je veux. Je peux plus aller en arrière, là. Si Bastien le veut, alors je le veux, j'imagine. Et après, t'iras vivre chez Bastien, c'est ça? Je crois bien. Pour payer ton loyer. Mais toi, t'aimes bien ce travail? Non, pas du tout. Si, j'adore. On le rappelle en régie. Attention. J'adore. Allô, enculé. Attends, ça fait pas de bruit, on va le rappeler. On fait comme si c'était Zévo qui l'a rappelé. Donc, je vous laisse la parole. C'est Fora Haussmann, Caïs à votre écoute, bonjour. Oui, bonjour, c'est monsieur Caïs, c'est Zévo, le coach personnel de Rémi. Je suis désolé de vous dire... Monsieur, je pense que moi j'ai assez perdu mon temps. Moi je parlerai qu'à Rémi. Si Rémi ne veut pas venir, dès le début, mais je peux vraiment vous aider. Par exemple, vous savez, à chaque fois qu'on a monsieur, je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. Profanation anale qui sort de notre organisme. Il a raccroché. C'est le canular le plus court du monde. La peste, tu vas trembler, mon vieux. Merci à tous, à samedi prochain. Bonne soirée. Comment vous pensez qu'il va réagir, Rémi, à ça, là?
Écoutez, on va voir déjà la dernière fois. Je pense qu'il faut aussi. Est-ce que c'est lui qui vient ici ou qui nous déjà, appelle pour nous la dernière fois après Miley Cyrus, bon, je suis quand même revenu deux jours après l'appel, puisque j'ai fait genre le retour de Strasbourg en deux jours, bien que je n'étais pas à Strasbourg en vérité. Mais... Et du coup, il m'a pris un entretien au bureau et au final, j'ai pas eu tant de. Mais pourquoi il veut pas vous virer? Je comprends pas, il va tenir jusqu'à quand? Allez, on réessaye, un dernier appel, on essaie de le faire craquer. Ce coup-là, c'est vous qui parlez. Ok. Courage, hein. Mais il écoute pas l'émission. C'est dingue qu'ils aient pas encore fait. Il écoute pas l'émission, vous lui en avez pas parlé. Non, bien sûr que non. Ah, tant mieux. J'ai honte d'être ici. Kai, ça va, t'écoute, bonjour. Oui, Kai, c'est Svev. Je plaisante, c'est moi, c'est Rémi. Svev m'a appris l'humour, la blague. Rémi, là je commence à perdre patience, Rémi. Non mais écoutez, Kaïs. Rémi, vous allez m'écouter maintenant. Soit vous revenez au magasin, soit vous démissionnez. Vous ne pouvez pas faire les deux. Mais Kaïs... Vous comprenez ou pas? Rémi, est-ce que vous m'entendez? Ben oui, je vous entends, pas la peine de crier, vous avez du réseau. Rémi, je vous attendrai demain, si vous n'êtes pas là demain, je prendrai les dispositions nécessaires. Merci. Kaïs, enfin, ben... je vous en prie, un peu de tenue. Imaginez quand même, le mec est seul dans son bureau en train de gueuler. Rémi. Non, pire, il est devant une cliente. Rémi, c'est terminé entre vous et moi. Apparemment, il est en caisse. C'est énorme si vous entendez ça. Rémi, auditeur, Rémi est en face de perdre son emploi. C'est fini, non, mais non, là, ce n'est pas l'emploi, c'est la vie que je vais perdre, visiblement.